Canaris, priorité à l'info. Chers amis, bonjour, nous sommes le mardi 24 juin, comme tu le vois, eh bien nous sommes à niveau dans le studio habituel, dans le 19e de Paris. La session avec Patrick Poivet va commencer dans pas longtemps, dès qu'il va arriver. Alors c'est une session exceptionnelle, puisque depuis un mois, si tu me suis sur Facebook, tu as pu le voir, que j'ai pas mal buzzé en ce moment, hein, pour dire que c'était la dernière session. Alors j'ai vu des commentaires par-ci, par-là, qui disaient, ouais, Yannaris nous fait encore un coup de marketing en disant que c'est une fausse dernière. Non, c'est la véritable dernière séance d'enregistrement auquel vous, DJ, avait pu avoir accès, parce qu'on a décidé qu'après 2 ans c'était largement suffisant. T'as eu le temps d'en avoir ou pas? Donc très très grosse session aujourd'hui, il y a à peu près plusieurs dizaines de clients à faire. Ça va se passer là-bas, il n'est pas arrivé. Dans la session il va y avoir vers 15h, donc dans moins d'une demi-heure, quelqu'un qui va arriver. Ce sera une surprise que vous connaissez toutes et toutes au niveau voix off. Ce n'est pas un homme de l'ombre, c'est donc une voix féminine de l'ombre également. On va voir précisément qui sera avec nous. Pas mal de monde dans le studio. Alors pourquoi c'est la dernière avec Patrick Poivet à ce niveau-là? Parce que c'est la dernière auquel je donne accès au public pour venir assister à ce genre de séance, parce que j'estime que on a fait pas mal de choses. Alors, pas mal de monde en studio aujourd'hui, comme tu peux le voir. Hello. Là, il y en a que 4 pour l'instant, il y en a d'autres qui vont arriver. On va faire les présentations. Hein. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Julien. Je suis pas alcoolique anonyme, je suis juste DJ pour l'instant anonyme, bientôt peut-être populaire, on sait pas, on verra, peut-être avec Patrick. Ouais. Et mais écoute, c'est déjà un réel plaisir d'être avec toi et puis aussi rencontrer des personnes de l'ombre, comme tu le dis, qui seront pas forcément dans l'ombre aujourd'hui. Est-ce que c'est lui qui arrive? Non, c'est les cafés. Donc, ah, les cafés, ça c'est une bonne idée, ça. J'imagine que tu es à la limite de l'orgasme. Il va falloir que tu te décales un peu parce que tu risques de prendre une giclée. Donc très bien. Salut. Voilà, donc tu es qui? Tu viens d'où? Tu es pourquoi? Candice Wolf, je viens voir Patrick parce que c'est quelqu'un que j'adore et c'est un sacré personnage et le voir travailler c'est juste du bonheur. Je crois que mon petit doigt me dit que tu as déjà fait une session avec lui. C'est possible, oui. La question c'est de savoir est-ce qu'il va s'en souvenir. Voilà, c'est exactement ça. Vas-y, mets-toi debout, ce sera mieux, pardon. Tu nous arrives d'où? Tu fais quoi? Alors, moi je viens de Lille, je m'appelle Tommy, je suis résident au Club Libertin. Ah, je me souviens, c'est toi, voilà, on a parlé de ça. Alors c'est une niche. Tu vois, Julien, ça c'est un business de niche, les clubs libertins. C'est niche en tout cas. Voilà. Et donc j'imagine que ça cartonne. Ah, ça cartonne à mort, surtout en Belgique. Sans jeu de mots, ça cartonne. Ouais. Voilà, d'accord. Et surtout en Belgique. Ouais. Donc tu es venu spécialement pour voir Patrick Poivet. Pour voir Patrick Poivet. Nous, c'est la première fois qu'on se voit. Regarde, oui. Ouais. Voilà. Et donc pareil, ton impression, qu'est-ce que tu attends de voir? C'est une nouvelle expérience, quoi. De voir un peu les coulisses, des films, des doublages et tout, c'est très intéressant. D'accord. Tu me donneras l'adresse de ton club libertin? Il y a pas de souci, j'en ai deux, il y a pas de souci. On a deux en plus, ça tombe bien, j'en ai deux aussi. Bon. Et moi, Jacques. Tiens, on va se mettre du côté de la console. Toi, on t'a déjà vu dans la dernière vidéo. Voilà, t'es déjà venu la dernière en tant que touriste et t'avais fait des liners. Et là, tu reviens. Je peux le dire, tu es parmi les clients principaux d'aujourd'hui, puisque t'as 5-6 pages à faire. C'est bien. Sur combien? Je sais bien, sur beaucoup. Donc Patrick le sait pas encore. Il sait simplement que ça va être un petit peu hard. Et ça faisait plaisir d'en venir le voir en plus. Oui, exactement. Donc voilà. Donc j'imagine que tu attends beaucoup encore de cette session. Toujours. Ah. Donc je suis toujours à la route de Lyon pour venir ici. Il est venu spécialement de Lyon. Et je repartirai demain. Donc merci à Yann en tous les cas. Si vous écoutez, si vous regardez, faites confiance à Yann, parce que mine de rien, c'est qu'est-ce que vous en pensez? C'est le seul à inviter des gens en studio pour venir voir des artistes. Tiens, je te donne maintenant. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des pièces qui traînaient, oui, je pense que pour moi aussi. Bon, en tout cas, il est merci pas là. Merci. Bon. D'accord. Alors, on attend Patrick parce qu'il est un petit peu labour, j'imagine. Ça va pas tarder. Ouais, pour la... Et pendant la session, je n'enregistre pas parce que Patrick n'aime pas ça du tout, c'est évident. Par contre, en fin de session, on ira le voir dans la cabine là-bas. Et comme je vous l'ai annoncé, vers 15h, il y aura donc une invitée surprise qui va arriver, vous la connaissez toutes et toutes, on verra qui il s'agit et Patrick ne le sait pas. Voilà, à tout à l'heure. Bonne séance. Bonne patte aussi. C'était donc la dernière grande séance avec Patrick avant l'été. Ça s'est passé comment? Ah, très bien, c'est un peu dur. Hein. C'est du chargé parce que les vacances sont longues en fait, je m'en aperçois. Donc tout va bien. Justement, parlant de vacances, ton actuel? Eh bien, je vais partir au Canada pour tourner un film dirigé par un Américain. Ils ont besoin d'un Français pour une fois, tant mieux, c'est bien. Voilà. Quand? Septembre, à peu près. D'accord. Voilà. Bon, c'est bien alors. Ah ouais, c'est très bien. Quand on est la voix française de Bruce Willis depuis plus de 25 ans et qu'on part en vacances l'été en France, on fait quoi? On part sur la Côte d'Azur? Ah non. On fait des courses poursuites en plein Nice ou on va au bord de la pêche? On va en Bretagne. On va dans un endroit absolument merveilleux dont je ne dirai pas le nom. C'est au-dessus de Concarneau. Voilà. Et c'est génial.
Tout est frais. Le poisson, les jeunes femmes, tout. Bon, c'est génial, quoi. Voilà. Et puis, il y a les Bretonnes. Ah, il ne faut pas le dire. Tu sais que pendant que tu es enregistré tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu à l'improviste nous faire un petit coucou. Alors, on va faire une sorte de quiz, tu vas voir. Autant toi, tu es donc. Tu es partie des hommes de l'ombre. Ah oui. Autant elle fait partie des femmes de l'ombre. Ah, voilà. Danger. Je ne sais pas. Ah, les femmes de l'ombre. Allô. Donc, ici. Tu vas fermer les yeux. Elle va nous dire deux, trois mots dans le micro. Là, et vous aussi, vous allez fermer les yeux et on va essayer de reconnaître sa voix. Bon, alors je ferme les yeux. Il était une fois. Bien. Il était une fois une toute petite voix qui rencontra une grosse voix. La voix d'un homme que j'ai adoré voir à la télévision. Et là, je le touche pour de vrai. Et voilà. Mesdames, messieurs, Valérie Gerlin. Valérie. 20 ans de C'est pas sorcier. Ouais, ça c'est un grand moment. 20 ans de C'est pas sorcier, ouais. Oui, c'est ça, 20 ans. 20 ans de C'est pas sorcier, 9 ans de Disney Channel, 5 ans du loto. Arrête, on va deviner ton âge, dis pas de conneries. T'as commencé. J'ai 83 ans. Mais non, elle a commencé en petite culotte, je m'en souviens. Attends, elle était lancée à couche, elle commençait déjà dans le métier, c'est génial. Voilà, bah tu vois, bravo. En tout cas, Valérie, c'est un plaisir de te rencontrer. Ouais, non, mais c'est super, je suis ravie. Donc tu m'as dit, oh, ça demain qu'on se voit, je t'ai écouté, bah banco, tu viens, on est ensuite avec Patrick, tu viens nous voir et puis on va se faire. Et ben voilà, c'est la fête. Youpi! Qu'en as-tu? Tu me disais que tu avais pas mal de choses à voir. Ouais, alors je suis prof de théâtre à l'EFDV, École française de doublage et de voix. Je suis prof de théâtre à Ormesson. Coucou les jeunes. Je suis quoi? Je donne des cours aussi dans des lycées pour des BTS, pour être à l'aise à l'oral. Très bien. Pour savoir parler devant les gens, devant un interlocuteur ou devant 1000 interlocuteurs. Oui, on devrait faire ça plus souvent parce que c'est fondamental pour les enfants. J'y suis d'accord. Bravo. Ouais. Sinon, ça va? Ça me plaît, tout va bien, la vie est belle. Ouais, et je suis conseillère municipale, j'adore. Oh! J'adore, c'est un bonheur, je m'éclate, je fais des tas de trucs, bientôt je vais avoir Jonas chez moi, je suis trop contente. Tu te rends compte, t'as pas peur des responsabilités, toi, dis donc? Non, j'ai peur de rien. Bien, bravo. J'ai une question. Que penses-tu, c'est une question que je pose souvent, que penses-tu de ces fameuses écoles de voix off? Alors, il y en a qu'il faut laisser, il y en a qu'il faut prendre. Moi, je dis, ça dépend des êtres humains qui dirigent ces endroits-là. Tu as un nom peut-être à donner, non, je sais pas. Non. Fais gaffe. Un nom. Voilà, je donne un nom. Non. D'accord. Bon. Bah, écoute, Valérie, merci d'être passée. On va se revoir de toute façon pour le business, ça c'est clair. Avec c'était un vrai plaisir. Ouais. Patrick, tu bouges pas parce que. Ciao. Ciao, Bella. Hein, je suis à la mine, moi. Mais je sais bien. Bah, allez, tiens, je vais remettre mes lunettes parce que ça. On y retourne. Allez, on y va. Allez, bon. En avant, voilà. Simone. Il était une fois. J'ai quelqu'un à côté de moi que j'aime beaucoup et je crois qu'il joue dans un film, mais je ne suis pas sûre. Comment... Qui c'est? Salut Candice. Oh, j'adore. Oui, ça va. Ah ouais, tu fais quoi là? Ben, je regardais comment se passe un enregistrement et j'ai entendu la voix de Bruce Willis, mais c'est toi? Mais on m'a dit que toi, t'avais une voix superbe, mais il n'y a pas que la voix qui est superbe. Il y a la totale. Et en plus de ça, on est filmé. Ouais. Mmh. Tu sais que Bruce Willis, il aime beaucoup les femmes quand même. C'est vrai. T'as pas peur là? Mais non, parce qu'il y a sûrement une bombe qui va exploser sur Paris, donc il va devoir y aller. Ah merde, bon, bah, je me casse. Allez, salut ma chérie. Au revoir. Non. Ça s'appelle un vent. Non. T'as aimé? Alors abonne-toi et suis Yann Harris tout le temps, partout sur le web. Sur Facebook. Sur YouTube, sur Twitter, sur Google+, et bien sûr, sur yanaris.fr. Yanaris, priorité à l'info.